Donc jusqu'à fin août, je vais continuer encore la préparation physique. Début septembre, exactement le 4 septembre, ce sera le retour sur les skis en Suisse. Derrière, on va enchaîner les stages, 4 jours de ski, 4 jours de repos, jusqu'à début octobre. Début octobre, on refera de nouveau un break de 2 semaines de préparation physique, avant de partir pour un dernier gros stage de ski en Suède. Et puis après, le 8 et 9 décembre, ce sera la première Coupe du Monde à Val Thorens.